qui m'a amené à participer à Passe Croisée, c'est via l'entreprise dans laquelle je travaille, le restaurant La Pergola, par le biais de Thomas Fantini, qui est très investi ici au Stade Toulousain, notamment avec la Bodega, qui a joué au Stade Toulousain aussi, étant jeune. Et voilà, notre restaurant a toujours accueilli beaucoup de joueurs, et voilà, c'est avec grand plaisir qu'on les reçoit chez nous. Le plat que j'ai choisi, c'est une pièce de veau avec un risotto cru cuit d'asperges et un pesto. J'ai choisi le veau parce que c'est une des pièces de viande les plus aimées par les joueurs du stade quand ils viennent chez moi. Ensuite, bon, le risotto parce que c'est bien gourmand, donc c'est un riz cuit avec un peu de vin blanc, de la crème et du parmesan, un petit bouillon de volaille. Donc il y aura une asperge blanche cuite et de l'asperge verte crue avec la pièce de veau poêlée. Je suis arrivé à Toulouse ici, ça a été un peu un bouleversement quoi, de voir ces grandes fêtes Place du Capitole pour le bouclier. Quoi. Je travaillais Place du Capitole à cette époque-là et c'était phénoménal. Quoi. Donc le Stade Toulousain, c'est quand même quelque chose qui porte Toulouse très loin, au-delà des frontières, quoi, et c'est chouette pour la ville. Quoi. C'est un bel exemple. Ce qui m'a amené à participer à cette opération, c'est l'invitation de Jean-Marc et Stéphane. Cela fait 9 ans que je suis ici au club. Il y a pas mal de joueurs qui avaient participé à l'opération avant et je trouvais ça intéressant de le faire et de pouvoir partager un dernier moment comme ça ensemble. Mon plat est un plat assez simple, voire très simple. C'est une omelette aux asperges. C'est un plat qui me rappelle de nombreux souvenirs d'enfance et que j'avais l'habitude de faire le week-end avec mon père. On se baladait, on allait chercher les asperges sauvages et ensuite on mangeait le midi les asperges en famille. Et donc voilà, c'est quelque chose de très simple mais qui me paraissait important de partager vu qu'on m'en donnait la possibilité. J'ai un rapport assez simple avec la nourriture. On a la chance après de vivre à Toulouse et d'avoir une ville où il y a un nombre important de très très bons restaurants et de très très bons quartiers où on peut retrouver de la cuisine du Sud-Ouest, mais pas que, de la cuisine du monde entier. Et après, moi mon rapport c'est, voilà, comme je disais, un rapport assez simple parce que avec le sport, on a tendance à privilégier des plats plutôt diète et on fait un peu attention, on se doit de faire attention à ce qu'on mange.